Une condamnation à perpétuité obligatoire sans possibilité de libération conditionnelle, c'est la peine dont a écopé Nicolas Cross. Il était jugé pour le massacre qu'il a commis en 2018 dans son ancien lycée de Floride. Âgé de 20 ans à l'époque, il avait tué 14 lycéens et 3 adultes au fusil semi-automatique. Nicolas Cross a échappé à la peine capitale toujours en vigueur dans cet état du sud des États-Unis.